Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un joyeux Noël 2018. Allez, c'est parti. Déjà, joyeux Noël, j'espère que vous allez tous super bien, que vous avez eu ce que vous voulez sous le sapin, mais si ce n'est pas le cas, j'ai quelque chose pour vous. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de la deuxième édition du calendrier de l'Avent High-Tech. Quentin devient Papa Noël. On l'oublie pas. Depuis maintenant 24 jours, tous les jours sont postés sur mes réseaux sociaux de nouveaux concours avec des lots de malades à remporter. 10 000 euros de cadeaux. C'est un projet énorme qui m'a demandé plusieurs mois de préparation, mais si vous voulez connaître tous les détails, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais enfin vous dévoiler tous les lots qu'il y a à remporter parce que vous avez jusqu'au 31 décembre prochain pour tenter de repartir avec un petit quelque chose. Le premier lot, je vous l'avais directement montré lors de la vidéo vous annonçant le calendrier. Il s'agit ni plus ni moins du OnePlus 6T Thunder Purple. On commence très fort. C'est un smartphone vraiment excellent et d'ailleurs je l'ai testé sur la chaîne, je vous mettrai toutes les vidéos dans la description. Numéro 2, une Apple Watch Sport série 3 42 mm avec un bracelet sport noir. C'est une Apple Watch que j'utilisais pendant plus d'un an maintenant avant de la remplacer, mais si vous avez un iPhone, c'est LE compagnon parfait. Quitte à être dans les produits Apple, autant continuer avec les AirPods, parce que c'est des produits que j'utilise tous les jours, depuis maintenant plus d'un an, et vous allez pouvoir tenter de les remporter. Si vous êtes sous iOS, c'est LES meilleurs écouteurs Bluetooth qu'on peut avoir aujourd'hui. Numéro 4, le Honor 8X. Lui aussi, on en a parlé récemment sur la chaîne, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Numéro 5, les Light Panels de Nanoleaf, un produit que j'utilise tous les jours dans le studio, j'adore complètement. En plus, vous allez pouvoir changer les formes pour en faire ce que vous voulez. Numéro 6, une Boom 3 et une Mega Boom 3. Deux enceintes excellentes pour avoir une bonne qualité de son, peu importe où on est. En plus de ça, elles peuvent fonctionner ensemble et ça c'est vraiment cool, c'est aussi des enceintes que j'utilise tous les jours. J'aime beaucoup. Numéro 7, on va passer à une valise, elle s'appelle la Extend Smart Expandable Suitcase. Un mot un petit peu barbare pour une valise vraiment super cool. J'utilise ces derniers temps, je vous en ai parlé récemment sur Instagram, mais c'est une valise absolument géniale, parce que déjà on va avoir 3 ports sur le dessus, avec un port USB, USB-C et micro USB pour recharger ses appareils. De l'autre côté, on va avoir un capteur d'empreinte digitale, et si je pose mon doigt, ça va déverrouiller la valise. On va avoir des pochettes un petit peu partout, une sur le devant, une en dessous pour mettre les chaussures. On va en avoir une sur le côté juste ici pour mettre son ordinateur par exemple. Et au niveau de la zone jaune, et ça c'est vachement bien, vous allez pouvoir agrandir la valise de 50%. Donc voilà, c'est une valise vraiment solide qui inspire confiance avec des roues de malade, un bras qui est absolument génial. Je l'utilise depuis ces dernières semaines et je kiffe. C'est une valise qui coûte assez cher, on est aux alentours des 600 €, mais on a des fonctionnalités vraiment super cool. En plus c'est livré avec tous ses accessoires, même une batterie externe de 20 000 mAh. Pour pouvoir du coup brancher ses produits. Donc voilà, une valise super élégante et je vous la fais remporter. Numéro 8, la Fossil Explorist HR. Une montre connectée qui tourne sous Android Wear qu'on a récemment vu en vidéo. C'est une montre que je trouve vraiment super élégante, fonctionnelle en plus de ça. C'est mon go-to sous Android. Numéro 9, le Wiko View 2 Plus, un smartphone vraiment super sympa pour son prix. Proche du View 2 Pro qu'on a testé sur la chaîne d'ailleurs. Numéro 10, le Listen Wireless de Focal, un casque tout juste excellent. Que je peux que vous le recommander, même si vous pouvez le remporter. Numéro 11, une PS4 Pro blanche 1 Tera. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment des choses à vous rajouter, à part, foncez pour tenter de la remporter. Numéro 12, le Royal Moon, un produit qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, mais ça ne serait tardé. C'est en fait un casque home cinéma, un casque que vous posez sur la tête avec, sur les oreilles, des écouteurs, et devant les yeux, bien sûr, des écrans permettant de visionner votre film, votre série, par exemple. Ça permet donc une immersion totale, une expérience vraiment unique, et c'est à remporter dans le calendrier de l'Avent High-Tech. Numéro 13, un BlackBerry Kitu Li, un produit que je viens tout juste de recevoir dans le studio et qui est vachement beau. J'avais pu le découvrir en septembre à l'IFA lors du gros salon high-tech à Berlin, et c'est un produit qui ressemble comme deux gouttes d'eau au BlackBerry Kitu, sauf que là on va avoir des fonctionnalités en moins pour un téléphone plus accessible et avec des couleurs vraiment super belles. Celle que je vous fais remporter, c'est la rouge atomique.
Celle qui est ici. Numéro 14, une deuxième paire de AirPods. Si c'est pas cool ça. Vous avez du coup 6 chances pour tenter de participer et de remporter ces AirPods. Numéro 15, le Honor 10, l'un des meilleurs rapports qualité-prix de 2018. C'est un smartphone joli, performant, j'ai adoré le prendre en main. Numéro 16, le TW650 de Epson, un vidéoprojecteur parfait pour la maison. Je l'ai pas encore reçu mais je devrais recevoir un exemplaire de ce vidéoprojecteur, du coup je peux pas trop vous donner mon ressenti, mais d'après ce que j'ai vu, il a l'air vraiment excellent et il est à remporter. Donc foncez. Numéro 17, deux mini drones de PNJ, le Air Falcon et le Air Raptor. Là aussi, j'ai pas encore pu les prendre en main, mais ça a l'air super fun. Des petits jouets qu'on peut utiliser et sortir de temps en temps pour s'amuser, pour faire une petite session et capturer des images. Numéro 18, le HTC U12 Life. Un produit qui vient tout juste de débarquer dans le studio, que je ne connaissais absolument pas jusqu'à présent, et je suis vraiment content de vous le faire remporter. C'est un peu gros, mais en numéro 19, voici le Yeti Caster. Plutôt cool, non? Je vous en ai récemment parlé sur Instagram, mais c'est un pack avec un Blue Yeti et un bras articulé. C'est un pack qui coûte dans les 200€ et hyper accessible pour ce qu'il peut faire. Moi, j'adore, et en plus la barque Blue, bah, je suis un grand fan. Et ça dans un setup, bah ça rend vraiment bien. Numéro 20, le Asus ROG Phone, le smartphone gamer par excellence. Il était ici, caché derrière le numéro 20, et il attend que vous pour pouvoir être emporté. Numéro 21, une télé LED 4K 124 pouces de Schneider. Bougez pas, c'est un peu gros, hein. Mais voilà, vous pouvez remporter ça à travers le numéro 21. Mais c'est un produit que j'utilise ces derniers temps et qui est vraiment super cool à combiner avec la PS4 Pro. C'est vraiment parfait. Bah, faut que je la rembarque maintenant. Ouais, c'est mieux. Numéro 22, le DJI Spark, un drone vraiment sympathique pour sa taille qui fait des prises de vue vraiment cool. Et je remercie Dilly pour l'avoir mis en jeu. Numéro 23, un pack avec une platine vinyle 500 de Yamaha ainsi que deux enceintes Musicast 20. Un combo absolument parfait qu'on va très très bientôt découvrir en vidéo. En gros, vous avez votre platine qui est connectée en Bluetooth aux deux enceintes et c'est la même technologie, donc le son est vraiment super cool et ça communique vachement bien. Et pour finir, le clou du spectacle. Eh oui, vous l'avez vu, c'est un iPhone XS 64Go, couleur au choix. Là aussi, je suis ravi de vous proposer de remporter cet iPhone XS que j'utilise quotidiennement et qui est absolument génial. Et puis, si je peux donner la chance à l'un de vous de pouvoir repartir avec, eh ben j'en suis ravi. Voilà, ça y est, on a déjà fait le tour de ces 24 lots, de ces 24 cadeaux que vous pouvez encore remporter. Je compte sur vous pour participer un maximum sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. En tout cas, je suis vraiment ravi. Tous les matins, à 8h, quand je me lève et que je poste un nouveau concours, je lis tous vos tweets, tous vos posts sur Instagram, sur Facebook. Et je suis super content parce que ce concours vous plaît énormément. Bon, d'un côté, c'est des concours, donc fatalement, ça peut que vous plaire. Mais d'un autre côté, vous êtes vraiment super nombreux à participer et vos messages me font vraiment super plaisir. Du coup, n'oubliez pas, Quentin devient Papa Noël. Je suis vraiment fier de ce projet, fier de ce que j'ai réussi à faire en réunissant de si belles marques autour d'un seul et même projet, que je remercie d'ailleurs, et je suis fier de vous les amis qui pourraient repartir avec de très beaux cadeaux. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que tous ces cadeaux vous plaisent. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis spammer mes réseaux sociaux. Je veux vous voir sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, vous avez jusqu'au 31 décembre 2018, pour participer. D'ici là, c'était Quentin, passez un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, et bientôt une nouvelle année qui arrive. Tchou!